Janama a fait honte à sa famille. Attends. Janama. Ya. Yeah. On peut faire ça. Tu sais que quoi? À sa propre famille, maman. C'est fini. Hein? Et ça, tu fais sur ton pipi parler encore. Hey. Janama a donné l'insomnie aux gens de plus vendredi. Comment? Comment ça? Moi, je comprends rien. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Plus dans sa famille. Ils ne dorment pas. Tu sors de quelle brousse? Hey, le monde part en couille. Janama était venue ici nous dire que quand elle a commencé à tourner avec ta Kamla, juste à ce que elle a commencé à être populaire, juste à ce que son Emmanuel-ci a pris un logement pour elle à l'étage, elle vivait là-bas. Sa cousine est venue louer à côté. Ah bon, hein? Mm-hmm. Continue. Pendant qu'il vivait à côté, il se disait tout. C'était sa bestie, sa soeur préférée. Ah. Sauf que sa soeur n'appréciait pas le fait que son Emmanuel la faisait voir le bonheur un peu. Mon frère. Sa soeur a dit, la fille, si qu'on croyait qu'il devait être les derniers de la famille, comment est-ce qu'elle commence à briller comme ça? Ça ne va pas donner. Sa soeur est partie chercher le cafou maigre dans la nature de Janama. On a souffert. Le dieu de Janama n'a pas dormi. Ça là, c'est jalousie. Elle a esquivé. Sa même cousine passait le temps à envoyer les messages à son Emmanuel qu'il a épousé le week-end s'il a hier là. Pourquoi? Sauf que son Emmanuel était arrusé, il l'aimait à fond. Vous comprenez? Même jusque là, la cousine n'était pas tranquille. C'est de la gâchis. La cousine a voulu passer sur la chaîne de Aïcha Kamoise. Hein? Pourquoi? Pour que le nom de Janama. Quoi? Pour le nom de Janama. Jésus! Aïcha Kamoise n'a pas permis. Hey. Toujours Janama nous avait dit ici que quand son pâté d'ail, famille paternelle, c'est tante paternelle, on dit que c'est sa mère qui a qu'il aime son père. Hey. Voulant la monter, mec, dans sa tête que comme tu vois ta remée là, elle n'est pas bien. Hein? C'est elle qui a quitté ton père. Janama a dit que même si ma mère est même si c'est ma mère qui a quitté mon père, elle est ma mère. Ça, c'est clair. C'est souillant. Janama a eu le discernement. Elle a dit que pardon, laissez-moi et ma mère. En vrai? On les a mis dehors dans la maison familiale. Ah, quoi? On les a mis dehors dans la maison familiale. Jésus! Ils ont retrouvé en l'air comme ça. Imaginez une veuve qui se retrouve dehors avec ses enfants. Les mêmes familles paternelles aujourd'hui. Quand vous regardez le mariage de Janama là, ça vous fait comment au cœur? Ça me fait mal de découvrir un truc pareil. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça va me laisser, Seigneur. C'est compliqué. Ceux qui sont sur cette terre, ils croient que comme ils te tendent la main aujourd'hui, ils te donnent un peu à manger à un certain moment de ta vie. C'est qu'ils vont monopoliser ta vie. Vraiment, c'est malheureux. Ce sont eux qui vont déterminer ta destinée là. Vous mentez. Vous mentez. Vous comprenez dans la compréhension? Personne n'est le dieu de l'autre sur cette terre-ci là. Ça, c'est clair. Ça qui est la vérité. Et le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est-à-dire? Même si vous freinez la destinée des gens n'importe comment, c'est pour un temps. Le temps que Dieu se prépare pour venir te soulever les fesses là sur la destinée de la personne et faire jaillir son bonheur. C'est vrai. Et tu deviens que spectateur. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là. La famille de partenaire de Janama n'est que spectateur de son bonheur. Vous allez souffrir de voir Janama heureuse. Tu vas lire mon ami. Avec sa maman que vous avez accusée d'avoir qu'il aime votre frère. Là voilà la mère de Janama. Qui marche dans les rues de Paris. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui n'est même pas encore allé à Simaline depuis. C'est souillant, hein? Quoi? Mais dis même voir seulement comme ça. Laissez gens. Arrêtez vos histoires là. Vous allez souffrir de voir Janama avec sa mère heureuse. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Dieu a donné raison. Dieu a tranché l'affaire. Parce que si c'est elle qui avait qui l'âme, elle ne devait pas se retrouver à Paris. Vous avez dit que Paris, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis. C'est la magie. Oui, c'est le paradis. Vous avez seulement avalé le bonhomme avec l'eau. De ça qu'il s'agit. Il faut être une mère pour connaître. Il faut être une mère. On dit que Dieu là-haut, il est le mari des veuves. J'ai dit que, mais mon frère, Ça veut dire que ce qui est sûr quand vous avez fait ça, la mère de Janama s'est à genoux et dit, Seigneur, me voici. Dieu a dit, calme-toi, ma fille. Le moment va arriver où je vais te faire voir le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu vas vivre ça. Et tous ceux qui croient qu'ils vont te voir pleurer là,
vont te voir rire aux éclats. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. C'est ça. Djanama, pourquoi tu fais honte à ta famille comme ça? Je sais que quoi? Je vous ai dit ici l'autre jour que si tu as un homme qui t'aime, qui te respecte, qui prend soin de toi, ne permet même pas à tout le monde dans votre famille l'écrit n'importe comment. Vous comprenez? Voilà la cousine de Djanama qui voulait y gâter son foyer. Si Emmanuel là ne l'aimait pas sincèrement, sa cousine, quand elle écrivait les choses de Djanama à son Emmanuel là, vous croyez que c'était pour arranger, c'était pour gâter? Yeah. Vraiment, je suis étonné. C'était le bonhomme qui l'arrangeait ici et elle voulait gâter. Mais sauf que Dieu avait mis la main dessus et dit, ma fille, je t'ai béni, c'est ton tour. C'est ça. Dieu avait ya béni, avait ya mis la main sur Djanama. Que vas-y, ma fille. Faut quitter ici. Hein. Tu n'es même pas vieille, tu viens parler. Elle ne peut rien. Bon, ça va. On a compris, non? Sinon, sa propre cousine gâtait son mariage. Tu peux pas monter tête. Ta même, mon frère. Seigneur. Je suis avec le docteur Ngadema. Il y a de cela quelques jours, je vous ai présenté ce docteur. Nombreux sont ceux qui ont apprécié son travail. Donc aujourd'hui, nous sommes dans sa clinique à Yaoundé pour vous parler, pour vous présenter certains produits. Entrez en profondeur. Donc vous allez nous présenter quelques produits. On commence par là. Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques, nous vous présentons aujourd'hui la gamme Naturia Prostate qui est une révolution de la médecine africaine. Vous qui aviez les troubles prostatiques, vous n'arrivez pas à uriner. Voici Natura Prostate qui est avant tout un anti-inflammatoire qui vient baisser le volume de la prostate. Le second T qui est un antibiotique qui vient résoudre définitivement les problèmes d'infection urinaire. Ces gens qui n'arrivent pas à uriner, vous partez uriner, vous ressentez des douleurs. Au niveau de l'organisme, ce produit intervient en antibiotique. Vous avez tout de même ce produit qui élimine les symptômes du cancer de la prostate phase 1. Donc, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour avoir plus d'informations, savoir comment utiliser et comment procéder à cette gamme qui est une révolution de la médecine traditionnelle pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques.